crocodiles qu'on trouvait au Maroc, on les appelle crocodiles du désert ou crocodiles d'Afrique de l'Ouest. On les retrouve aujourd'hui sauvages en Mauritanie, dans les Nédis au Tchad, au Mali, au Burkina Faso. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années, on les prenait pour des crocodiles du Nil qui n'auraient pas grandi. Ils sont très similaires. Et en fait, depuis qu'il y a des recherches ADN, on s'est aperçu que c'est une espèce à part entière, donc Crocodilus zucchus, son nom latin. Ce sont des crocodiles de petite taille. Contrairement aux crocodiles de Crocopark à Agadir, qui eux, crocodiles du Nil, deviendront très grands. Donc on est à Tanzida, au sud de Fumelassan, sur l'Oued Draa. Et je rêvais de venir jusqu'ici. Derrière nous, on a la guelta de Tanzida, en tout cas ce qu'il en reste. C'est une guelta où vivaient autrefois les crocodiles du Maroc. Je rêve qu'il y en ait, mais malheureusement ils ont disparu. Alors on pose souvent la question, pour quelles raisons ils ont disparu? Ce sont plusieurs raisons conjuguées. La première, c'est les grandes sécheresses des 10 dernières années. La guelta s'est rétrécie au maximum. Aujourd'hui, on est surpris de voir qu'il reste très très peu d'eau. La raison aussi, c'est que les populations autour, le village de Tanzida, ce sont pour la plupart des bergers, des gens qui ont des troupeaux, que les troupeaux viennent boire. Et malheureusement, à l'époque où ils venaient boire, il y a eu, d'après les anciens, de nombreux accidents. Et donc peut-être qu'ils ont été aussi chassés par l'homme, et chassés aussi dans le sens où dans les années 70, la peau de crocodile commençait à avoir une valeur importante. Et à ce moment-là, peut-être que des gens venus d'ailleurs les ont tirés tout simplement pour leur peau. Et toi, tu as vu, tu as connu le crocodile ou tu étais trop jeune? Moi, je vois l'eau. D'accord. Et ton papa, ta maman t'interdisaient? Moi, je pars pour aller à la maison avec un grand-grand-père. Ah, tu avais peur. Je demande grand-grand-père, il a quelque chose. Oh, il y a le crocodile. Pas aller à Daya. Nazi, le petit Daya, là-bas. Comment s'appelle le crocodile en berbère? Berbère, Weddem. 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 طردوا فيه ثلاثة، واحد من عربي من يعني من السراح العرب من إيتوشي، هما اللي كانوا كاسبين يسرحوا البل ديالهم والغنم ديالهم، كيعوموا فيه، هو من كيعوموا صرتهم هذاك التمساح، منين صرتهم قاموا أهلهم كيغوتوا كيصقوا من هاك الساعة. وحنا رادين البال بهاك التمساح. القلتا تسمى القلتا قديمة، فيها الغرق تحت، وكيسكن الداخل فيها واحد الجرف كيسكن تحته. إلا ما كان حد كيجي يطلع، حنا هاك الساعة كنمشو كنجرو في الوسط الأقلي كنشوفوه يضل في الشمس. كيمشي للشمس الرملة فوق الرملة يتبطح فيه يتمغط مع راسه تيشوف يسمع الحس يقوم يقول تشب يدخل ذاك سميتو جي الجفاف من ولا من الجفاف تبع لي تبعنا من ورا المسيرة 8 8 8 77
77, 78, salam alaikum. Alors ce que Brahim vient de me dire tout de suite là, ça me rappelle vraiment une citation d'un sage africain au Burkina Faso qui me disait: quand il n'y aura plus de crocodiles, il n'y aura plus d'eau. Parole d'un sage.